Mobius qui a été nerf. Maligot, c'est vraiment de la merde. Il y a les mechas. Elle a l'élémentaire. Bon, allez, vas-y, je vais prendre Daryl. Hein. Le petit Morlock qu'on adore. Hein. Bien. Ça, c'est bien. Daryl, au début, on achète juste des pièces. Un maximum de serviteurs pour pouvoir faire un maximum de plus en plus un. C'est pas comme encore avant, il y avait la petite 1 Toon Divine Shield, hein, donc tu pouvais descendre vers 1 et après commencer à avoir par exemple T4, une 16-16 Toon Divine Shield. C'était ta seule créa, mais ça te donnait assez, ça te donnait de la tempo, ça te permettait peut-être d'avancer plus facilement donc dans les tavernes supérieures. Et bon, c'était quand même vachement cool, mais bon. Vu qu'ils l'ont retiré parce qu'elle était vraiment faible, ça a nerfé Daryl. Galwing se trouve vraiment nul comme ça. Ou alors il faut peut-être trouver un pattern intéressant avec des créas, mais bon. Je veux dire, par exemple, pour avoir un pattern Nomu, tu dois vendre deux créas sur tes trois. C'est chiant. Hop, je vais freeze le petit élémentaire. C'est deux pièces quoi. C'est parfait pour les petits hat-tricks. Sans aucun accent anglais, bien évidemment. Ça serait trop demander un accent anglais. Hein. Halloween. Ouais, j'ai un peu mal à mon oreille. Là. Bon, c'est bien, ils ont tous des acolytes d'Octoon. Ça fait des égalités, au moins je perds pas de points de vie. Qui donne 3 d'attaque à un autre. Bon, bah, je vais prendre lui, hein. C'est le meilleur, je pense. J'ai vendu l'élément plus parce que, bon, si je les achète, eux, c'est juste pour des pièces, hein. Donc, alors, autant avoir une créa de plus pour. Comme ça fait un peu plus de tempo en attendant. Bah, la taverne 3, hein. Parce que, bon, la taverne 3, il y a donc le cyclone crépitant. Il y a donc Deflectobot. Après, on peut trouver aussi d'autres cartes qui peuvent être intéressantes, quoi. Soit pas vraiment, non. Y a pas les dragons, c'est le problème, quoi. Après, on peut tourner sur un Yoho Ogre ou des créatures comme ça, quoi. Ça reste intéressant. Après, en Terrain 4, c'est quand même plus intéressant. Un new module. Over, nickel, des choses comme ça. Ici alors. Bien voilà, c'est ça mon petit board. Un petit board sympa, j'achète la petite théière, ça fait une 5-5 quoi, en stats cumulés. C'est sympa. Vancliff, c'est quand même un très bon personnage de tempo. Tu peux facilement faire beaucoup de tempo avec. Après, il faut voilà choper ton late game quoi. Parce que bon, j'ai fait une game de Vancliff. J'ai fini, je crois, 6ème parce que bon, j'ai eu des découvertes. Enfin, non, j'ai pas eu de découverte, c'est ça, j'arrivais pas à faire mes triples. J'étais en train d'essayer de patauger là dans un truc de tempo. Mais bon. Voilà, et tour 10, la tempo pure ne suffit pas quoi. Il a tout mis sur un truc. Il devrait quand même un peu équilibrer. Hein. Ouais, mais bon, malheureusement, il est mort trop tard le truc.
Ça va, moi je prends pas beaucoup de dégâts quoi. Je suis encore à 34, c'est. Bordel! La goule instable! Aïe aïe aïe! Quand on veut la goule instable, on prend 130 000 euros à la trouver. Alors moi là je vais m'en acheter deux, hein. Comme ça je suis sûr que je l'aurai! Non, non, je rigole. Je vais plutôt acheter. Il y a des gens qui jouent un peu démon. Non. La goule instable elle sert à rien maintenant quoi. Et la créature que je vais l'acheter, bon, je vais sûrement pas la jouer ce tour-ci, mais je vais la garder en main pour faire un plus de plus de quoi. Donc je vais plutôt jouer tes scolaires. Il y a plus de chances que des gens soient intéressés par tes scolaires qu'au goule instable sur tour 6, tour 7. Et bon, là on doit trouver un crépitant, un déflecto. Ouais, ça au pire. Ça vraiment au pire du pire. Après, voilà, c'est ce que je disais, c'est ouais, une taude, c'est pas trop mauvais non plus, mais. Essayez quand même de trouver une bubule, quoi. Il y a une petite égalité, ça va. La question c'est est-ce que je me mets à tourner maintenant? Je pense pas, je peux encore faire des rôles. J'ai fait seulement, voilà, 3 rôles à taverne 3. C'est un peu normal que je trouve pas mon défecto, mon crépitant quoi. Je suis encore à 34, bon je vais sûrement perdre ce combat. Voilà, j'ai encore assez de points de vie pour me permettre de rôle quoi. C'est pas comme si j'étais à vente et je me dis bon ok, là je fais vente, 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 j'achète lui. Hop là, je fais plein de ventes et j'achète juste une grosse taunt. En plus, il y a des murlocs. Y a des murlocs partout là. 3 murlocs, 2 murlocs, 4 murlocs. 4 murlocs, 4 murlocs. C'est la game de murlocs. Alors, moi, je peux même dire que j'ai 5 murlocs là sur mon terrain. Lol. Non mais comment ne pas aimer Daryl quoi? C'est une vraie question. Mais lui il m'a volé tous mes déflectos. C'est pas du jeu. Bah si c'est du jeu. Non. Le jeu c'est je joue et vous souffrez, ok? Ça c'est le jeu. Bon allez, je vais alors essayer de viser un cyclone. Hein. Après déflectos c'est mieux que cyclone je pense. Mais... Parce que bon la compo mecha. Elle est bien plus simple à. Bah, ça fait des pièces quoi. C'est bon là. Qu'est-ce que vous essayez de m'insinuer? Je pense que j'ai trouvé ma voie. Si vous me demandez qu'est-ce que je fais, je voulais vous répondre, je sais pas. Mais je le fais. Ce truc, j'ai envie de le revendre, mais je peux pas là. Au moins, je gagne. C'est n'importe quoi. C'est 16.
Ok. Oh non, mais le gars il va vous prendre tous mes triples, le bâtard, avec son pH. Oh, j'avais pas vu, j'allais dire. Oh bon, il doit être deg parce que je lui ai volé son triple, mais non. Il a ce putain de pH. Zut. Paf 12. Laisse-moi tranquille avec mes rafleurs. Quand le jeu te taunte, quoi. Bordel. Bah ouais, hein, je vais essayer de chercher le lardeur. Bon, c'est pas lardeur, mais c'est déjà mieux que rien. Oh. Voilà, ça c'était mon imitation. Il va choper plus 8, plus 8, ce sera une C16. Oh là là, cette game. Et j'ai pas fait exprès, hein. On voulait juste me dire, ok, je l'achète, et tous les boosts sont partis là-dessus. Hein? Après un moment, tu vois, moi je voulais l'acheter pour me dire ça fait des pièces. Ma place de 3-3, elle est 9-9. En vrai, il y a quelque chose à faire, quoi. Surtout que lui, il s'est chopé deux petits plus... il s'est chopé un petit plus de plus 2 là à côté. Et il y avait quelque chose à faire. C'est ce que j'ai retenu. Allez tuer ce truc rapidement. Ça risque d'être chiant parce que là, il a deux pierres, il a un Goldbreaker doré. Il en avait qu'un seul des Goldbreaker. Je pensais qu'il y en avait deux. Ah, mais toi aussi, voilà quoi. Yes, merci de ne faire aucune value. Et lui, merci de faire une belle petite value là sur mon truc là. Bâtard. Putain, mais j'ai tellement pas de bol là. Bon, là, j'ai pas eu de chance du tout là, sur le combat, mais. Allez, toi tu meurs. Et n'empêche, c'est intéressant ce qu'il me propose là. Bon bah voilà. Il y a lui qui donne plus 4 plus 4 à chaque tour à lui pour l'instant. Le salty looter. C'est le looter salé. C'est Phil Drong. Oh. Je sais pas ce que je fais de cette game là. N'empêche, j'ai pas préparé un énorme board pour lui, mais il a quand même fini en 14-15. Je le félicite. C'est là où je me dis quand même Daryl, c'est vrai qu'il est assez fort en. Ah oui, en plus il se chopait ça qui lui redonne 3 pièces quoi. C'était bien pour lui. Et d'où il avait affronté le mort. En tout cas il s'est pris un 7 dégâts et ça c'est bien. En vrai là c'est. Ah puis je roll hein. Et en second ça. Bon, je vais juste porter toxique.
On va partir du principe que ça n'existe pas. Le pauvre Alice, quoi, mort si tôt. Donc il en finit, ça peut mourir, ça c'est faible, ça peut mourir aussi, ça peut mourir parce que ça m'arrange si ça meurt. Et ces deux-là, ils peuvent mourir parce que ça m'arrange si ça meurt. Y a un seul toxique. En vrai, je vais le tuer. Oh mon dieu, je le tue! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh! Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que ça fait un Murloc en moins. J'ai 11 atouts kill infini. Hein. Ah! Je veux que c'est un nombre pair de PV ce truc. J'aime pas les nombres impairs. Par contre, je comprends pas pourquoi elle est restée en terrain 4. Enfin, faut chercher l'ardeur, quoi. Bon, par contre, faut que je la bute, hein. Ça, il doit être vraiment relou si elle survit. Je vais pas freeze pour le Nat. Cherche Stradorée. Cherche. Elle me fait peur là. Cherche Celtic Looter. Je cherche l'Ardeur. Cherche. Ouais, bon. Le Taverne 6, il y a un mule, il y a Elisa. J'ai fait une game là, il n'y a pas longtemps avec Gar 8-8. Hop là, c'était une belle game élémentaire. Bon, après, voilà, comme je trouvais pas mes Little Rag, j'ai fini, je crois, top 2. Hein, mais bon. C'était quand même très chouette. Ça faisait des montagnes. J'avais deux Gar. Ouais, non, mais lui, il a tout, hein. Oh, shit! Oh, je suis le sniper. Oh, je suis le sniper là. On m'appelle sniper. Pouloulouloulou. Ça c'est chiant parce que ça tape là. Ça c'est bien quand même. Oh, je le tue. Oh, yes, yes. Boussa. Elle. Allez, ça meurt. Allez, le sniper. Touloulouloulou. Oh, ça, j'ai tellement envie de le vendre, mais je peux pas. C'est beaucoup trop fort pour le vendre. Allez, il faut triple ce truc. Oh, mais ça, je suis tellement heureux de l'avoir tué. Oh, ce petit looter doré, grande vente dorée, bateau doré. Parce que mon bateau, tu vois,
C'est une carte qui est intéressante dans un peu n'importe quel compo, tu vois, je veux dire, voilà, ça met des créatures, ça peut être très gros, ça peut être très faible. Alors, je veux dire, ça peut ramener 3 mousses du pont, ça peut ramener 3 Elisa. Bon, il faut chatter, hein. Dans un sens, c'est de la malchatte, dans l'autre sens, c'est de la bonne chatte. Normalement, on dit malchance, mais bon. Parler français, c'est pas trop mon fort. Et là, je meurs. 5. Oui, je meurs. Bon, allez, top 3, hein, ça reste intéressant.